أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم. Pour apporter quelques clarifications par rapport à la situation actuelle que vivent les DAR. C'est la raison pour laquelle le comité directeur, qui est l'organe exécutif de la fédération, est convoqué pour apprécier la situation. À l'issue de laquelle il a été décidé d'apporter une clarification par rapport à la situation actuelle que vivent les DARA et que tout le monde sait que les DARA actuellement, notamment les Serigne DARA, vivent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur fonction, qui est une option légale choisie par une couche sociale de la population, que sont les musulmans. Donc, les DARA, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, le bureau exécutif, ou bien le comité directeur, constatant la situation, lance un appel à l'endroit du chef de l'État, le président Macky Sall, pour lui faire savoir que tous les maîtres coraniques du Sénégal actuellement sont fâchés de ce qui se passe actuellement. On peut même dire que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'enseignement coranique au Sénégal, qui est l'acharnement avéré de la part de l'État à l'endroit des Serigne DARA, mais surtout à l'endroit des talibés de DARA. C'est la raison pour laquelle nous lançons un avertissement pour prendre toutes les responsabilités de ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer à l'avenir. Si toutefois on constate que les DARA sont toujours acharnés et que on ne les a pas laissés de faire leur travail librement, en tout cas la décision émanant du comité directeur est de statuer ce qui se passe actuellement et prendre la décision idoine pour faire face à cet acharnement. Et cet acharnement est piloté par la direction de la protection de l'enfance, hein, avec l'appui des CDPE. Et on a constaté dans beaucoup de départements du Sénégal, les talibés sont les cibles de ce comité. Parce que leur programme s'appelle programme zéro enfant dans la rue. C'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils prétendent de dire, n'est-ce pas? Mais le constat fait par le comité directeur, c'est zéro talibé dans la rue. Parce que le programme cible principalement les talibés. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'endroit du chef de l'État, qui est le chef suprême de l'État, qui est la première autorité que nous saisissons directement pour qu'il prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe actuellement. Et en deuxième lieu, tous les maîtres coraniques
sont appelés à rester, sont demandés de se préparer éventuellement pour un ordre que la Fédération nationale des associations des écoles coraniques va donner très bientôt, Inch'Allah, dans un plan d'action. Comme ça, nous ferons face à cette situation. En tout cas, pour terminer, nous lançons tous les maîtres coraniques d'être prêts et d'être à l'écoute également de leurs responsables principaux, que sont le comité directeur de la fédération. Et enfin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, mais également, le bureau de suivi de la fédération, qui est une instance exécutive et un démembrement du comité directeur, est chargé de s'occuper de tout ce qui va se passer et ce qui va élaborer dans ce document, Inch'Allah. En tout cas, pour terminer, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous écarter de cette pandémie qui est la COVID-19.